Hey, salut les amis, salut les guys, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hitman Absolution. On avait donc infiltré les Dexter Industries, et dans les commentaires, ce qui m'est revenu, c'est le fameux micro passé pas avec un volume pas assez élevé. Alors excusez-moi, je vais améliorer ça, comme je vous ai dit, petit à petit, j'essaie d'améliorer mes let's play, je ne peux pas être parfait à chaque fois. Mais merci de me faire ces petits commentaires, ça fait plaisir, et je vais améliorer tout ça avec le temps. Donc on continue... notre infiltration chez Dexter Industries, et c'est parti les amis, avec ce bel effet de soleil qui nous arrive en pleine face. Et hop, on profite pour prendre un petit sniper gratos, ça nous fait toujours des points à la fin de la mission. Et hop, on va continuer notre petite infiltration. Il y a quelque chose là-haut, je vais aller directement là, aller voir ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir là-haut? Ok, des munitions. Et un petit garde qui est parti pisser. Donc ok, on continue. Pour ma part, pour l'instant, rien à craindre. Ok, petite solution. Cette petite solution qui pourra peut-être nous aider. J'espère qu'il n'y a pas le garde qui va prendre. Non, non, je crois qu'il pissait contre un arbre. Il pissait pas sur. Ok. Non, il ne regarde pas par là. C'est cool. On va pouvoir continuer à avancer. Bon, après on est encore déguisé en garde. Tu vois, vous voyez, mais sur la droite, vous voyez bien qu'il me reste plus beaucoup de. De barre d'instinct, du coup on va pas trop l'utiliser. On va plus l'utiliser vers la fin où il y a toujours plusieurs gardes qui bouclent le périmètre. Donc ce serait pas très pratique. Alors lui, il va nous faire chier. Alors lui, on va attendre qu'il finisse sa ronde. Il va repartir. Et en fait, si je le fais tomber, ça va alerter les autres. Faut quand même un bon cardio pour tenir comme ça. Je sais pas comment il fait ce bon 47, mais il a de la patate dans les bras. Hein. Donc nous, on va pas passer par là directement. On va activer même ce point de contrôle. Et là, il y a une petite entrée. Alors, ne me demandez pas comment je le sais... pur instinct de 47. Ok. Alors là, il y a le passage. Nous, on va essayer d'avancer par là. Il y a pas mal de gardes quand même. Hein. Ok les gars, il faut qu'on pénètre à l'intérieur le plus discrètement possible. On va passer. Ok les gars. Wow, la chance que j'ai eue de pouvoir me mettre là déjà. Comment on va pouvoir rentrer là? Oh mince. Alors là, je l'ai pas vu, il était juste à ma droite. Récupérer des preuves pour améliorer votre évaluation. Ok, bon bah les preuves, on les a pas. Ok, il a repop par là lui. Et moi ce que je pourrais faire, c'est à la limite, je rentre à l'intérieur, je vois si je peux trouver un costume. Nickel, tout va bien. Tu sais que je viens d'avoir une petite fille. Qui s'occupe des contrôles aujourd'hui, et elle est de mauvais poil.
Ok, bon, on va se trouver un moyen de monter. Putain, lui, oh, tu vas pas jamais nous lâcher. À chaque fois, il nous fait chier, lui. Ok, on peut rentrer. Et on peut prendre un peu de soin. Ça pourra toujours nous aider. Je le connais. Oh, la chatte de ouf que j'ai eu là. Ils sont là, les mecs d'astreinte? J'en ai vu passer quelques-uns. Je me demande bien pourquoi. Ouais, en fait, ça sert strictement à rien que je vienne ici, y'a rien. J'aurais peut-être cru à un petit costume, mais non. Bon. Ok. Du coup, on va peut-être passer par là. Directement. Dans ce petit canal. Par contre, je me pose toujours la question, que fait des mégots de clope là? Est-ce que les mecs ils les mettent là direct ou je sais pas ce qu'ils font avec, mais. Mais en tout cas, ils s'amusent, hein. On va peut-être passer par là. Ok. Ok. Bon, je suis dans un petit endroit déjà, ça pourra peut-être aider. Ok. Franchement, il n'y a rien ici, c'est un truc de ouf. Bon. Par là. Il y a un petit truc d'électricité. Il y a le mec avec sa lambeau là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec sa lambeau? Rien du tout, je pense. Est-ce que si. Est-ce que lui serait capable. Si j'active une alarme de voiture, je pense que c'est pas lui qui va venir directement, c'est l'autre. Ok, clé d'accès récupérée. On va prendre peut-être plus pratique, mais. Pas mon genre. Ok. Donc il y en a qui va venir par là, je pense. Ok, lui, quand il sera là, on va passer par là. Ok. Ok. Donc là, lui, c'est fait. Bon. Ok. Mais là, c'est des gardes, ça va être chaud, là. Bon. Pour passer ces deux gardes, j'ai pas d'idée du tout. Voir aucune. Lui et sa voiture, il a l'air chez père. Ce qui serait bien, je sais pas, c'est que ce type, c'est que je puisse le je sais pas, le lui prendre son costume, enfin ça m'aiderait vachement. Mais je pense pas que ce soit possible. Et là contre bidon d'essence, je suis d'accord. Contre mine de proximité, je suis d'accord. Mais là, non, je suis pas d'accord. Là, comment je fais pour entrer ici? Il y aura toujours des gardes dans tous les cas. Ok, y a pas d'ennemi qui vient par derrière moi. Ce bruit. Vous
faudrait mieux vérifier. Compris. Ok, ils vont aller voir. Ok. Ici. Hé, hey, vous! Qui est là? Qui c'est qui fait le con? Pas la peine de s'inquiéter, y'a rien! Ici Alpha 5 au rapport, rien à signaler, terminé. Rien à signaler, d'accord, ok, super. Là, je suis un peu dans la merde maintenant pour lancer un objet. J'en ai pas sous, la, sous le coude. Bah, il me reste que deux solutions, les gars. Il me reste que deux solutions. Là, ils vont peut-être voir les cadavres après à l'intérieur, mais. Je sais pas, on tente. Allez, hop. On prend le flingue. Ok, bon, je me suis fait repérer comme un con. Est-ce que j'ai un endroit pour cacher les cadavres? Nulle part, super. J'ai... Ouais, non, là c'est mort. C'est mort, c'est mort de chez mort. Bon, on va trouver une autre solution. Faut savoir que les gars, on n'est pas. Bon. La sauvegarde, c'est parfait. On a récupéré notre carte d'accès et tout ça. Ça va peut-être nous servir, je sais pas, on verra bien. Quoique, je suis obligé de la récupérer quand même. Je sais pas, compris. J'ai juste réutilisé le point de sauvegarde vu que j'ai dû m'absenter. Mais au final, ça m'a apporté rien du tout en fait. Bon, lui, il veut pas se déplacer. On peut pas activer un. Non, ça le bouge pas. Ok. Bon, on s'en fout. Je sais pas ce qu'on peut faire avec lui. Je vois pas trop. Je vois pas trop ce qu'on peut faire avec. Mais bon. Continuons là où nous sommes arrêtés. Ok, baisse-toi. Voilà. Et là, hop. Instinct. J'ai tout vu. Je t'ai rien fait, je t'ai touché la cuisse. Je t'ai touché la cuisse, mon bonhomme. Ne payons pas l'indemnité kilométrique parce que vous n'avez pas un compteur homologué. Ma petite dame, ça fait 20 ans que je roule et personne ne m'a jamais demandé. Ok, nickel. Bon, ici, nouveau point de contrôle. Ok, on monte. Ok, je maîtrise. On va pas le tuer. Voilà mon pote. On va la faire à l'ancienne, je vais essayer de te faire tomber. Voilà. On faisait ça dans les anciens Hitman quand on devait faire tomber quelqu'un. Et bah tu le prenais. Hop. Et tu le foutais là-dedans. Enfin à l'époque on pouvait pas trop cacher les cadavres. C'est qu'à partir je crois de Blood Money qu'on pouvait cacher vraiment les cadavres. Là ça va encore, ça nous permet un peu de faire du tri. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Oh, ça c'est beau ça. Une petite armurerie. Explosif à distance, ça c'est pratique franchement. Par contre franchement ça va être chaud. C'est moi qui vous le dis. Ok, ici y a rien à faire, du coup on a récupéré des explosifs.
Bon, il va arrêter de fumer ou pas lui? Ok. Ça va être dur, ça va. Joli lancer, c'est quand même vu quand même. Bon, lui, il veut pas arrêter de fumer là. Bon, à l'intérieur, je suis déjà rentré. Voilà, hop, c'est fait. T'as le mec qui rentre juste pour nous dire ça, ok. Fortement intéressant. Ok. Ces mines sont armées? Tu te fous de moi là? Non, pas du tout. Mais c'est de la folie, y'a de quoi faire sauter tout le bâtiment. Tout va bien. Je travaille à ce poste depuis des années, il s'est jamais rien passé. Je viens de me suicider, mec. Waouh, putain. Je viens de me suicider, mec. C'est chaud, hein. Bon, là-haut, en fait, on a vu qu'il y avait rien, en fait. Ça sert strictement à rien, là, d'aller là-haut. En fait, les mines sur les armes, ça nous fait aussi des dégâts, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, nickel. On va pouvoir passer. Tranquille. Lui, il va nous dire qu'il va fumer. Depuis des années, il s'est jamais rien passé. Monsieur Dexter veut juste prouver que ces saloperies sont parfaitement fiables. C'est complètement con. Du calme. Elles doivent être activées et déclenchées avant d'exploser. Alors à moins que tu te mettes à danser comme un dame. Bah moi j'ai envie de voir l'explosion, tu vois. J'espère qu'il y en a un qui va s'approcher du truc. On va voir, ça se peut que tout est possible. C'est qui ça? Eh, je le reconnais. Ok, nickel. On va passer par là. Bon, ça c'est des mines d'attendre l'avant-guerre, ça c'est impossible qu'elle marche encore. Ok, moi je suis passé. Je suis passé. Yes, nickel. Ascenseur, vas-y. Wouah. On a réussi à monter dans l'ascenseur, les gars. On avance bien là. Activer une mine en plus. Ça s'appelle un professionnel, les gars. On a réussi à atteindre le score professionnel encore un peu et on serait quasiment assassin silencieux. C'est chaud. On a quand même eu pas mal de nouveautés. Le masque des cloches, je l'avais déjà eu. Voilà, donc mine de proximité, on avait plusieurs aussi. Mais ça, c'est cool. On a déjà fait pas mal de choses. Et là, on continue. Petite cinématique. Ce serait un honneur, monsieur. Dieu vous bénisse. Allez, en selle, les filles. C'était le patron. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de tuer une légende.
laboratoire de recherche de Dexter Industries. Ici, les meilleurs scientifiques bénéficient des meilleures technologies pour repousser les frontières de l'impossible. Dexter Industries. Quand la magie opère. Oh, ça a l'air glauque comme endroit, les gars. Mais on avance. Avec notre costard. Ils fabriquent des mines, mais c'est... C'est une usine à mort, en fait. Ok, pas de soucis, ma petite biche. Est-ce que j'essaie de le sauver ? Une ONG à la coupe, un journal de gauche. Ça doit être ça. Une bande de gauchistes qui chercherait à faire tomber le gros industriel. C'est quoi ? Merde. J'ai fait le con. J'ai fait le con. Ok, nickel. Où est-ce que je pourrais mettre le corps par la suite ? Là, ça va être très dur de passer, mais... Pas d'éclairage chez la lame. J'ai été repéré, d'accord. Mais je sais pas par qui, mais en tout cas, lui il était chaud. Lui il était chaud pour me buter. Ok. Pourquoi il me demande de repartir là-bas ? D'accord. Ok. Allons-y. C'est un peu chelou ce qu'il me demande. Mais... Pourquoi pas. Ouvrir les portes... Ouais. Alors, moi ce que je vous propose, c'est que j'ai vu qu'il y avait une alarme à son lit. On repart en arrière, on repart dans la zone, on récupère la carte d'accès, on active... Ils sont que deux, hein, dans tous les cas. Ok. Floyd Wilson, ça me fait penser à l'agent qu'on sauvait toujours du FBI, qu'on sauvait toujours à chaque fois dans les missions, dans les premières missions d'Hitman. Dans les premiers jeux d'Hitman surtout. Bon, alarme incendie. Ils vont devoir partir, je pense. Ah, ils vont me trouver, oh les pétés. C'est pas ce que je veux faire. J'ai pas envie de me faire repérer, moi. Moi j'ai envie de passer discretos, tu vois. Mais ça va être dur, je le sens. Ça va pas être aussi facile que ça. Ça va pas être si facile que ça. Ok, nickel. Alors...
On va déclencher l'alarme incendie. Popo, popo. Ok, bon, on va attendre qu'il sorte. Nickel. Il va le réparer. Ça remarche. Et il va repartir. On va pouvoir accéder au PC. Ok, nickel. Nickel, ni vu ni connu. On accède aux données. Ah, elle était là la porte, ok. Bien caché, dis donc. Franchement, c'est un endroit bien glauque. Qui nous attend? Allez, on va faire un petit tour d'ascenseur. Et je vois déjà des cochons. Je sens l'endroit un peu zarbi quand même. Ah ouais, c'est une sorte de... Attention tout le monde! La phase de test va débuter. Que tout le personnel quitte le champ de mine. Envoyez les sujets dans 5, 4, 3... Ah, c'est ça, c'est à ça que va servir les ports! Maintenant! Non. Oh, ça va être... Ah oui, d'accord, carrément. Ah ouais, carrément, carrément. Ok, on va prendre un couteau pliant. Ok, faut que j'élimine le mec là-haut. Mais ça va être assez. Il paraît que ça remonte à une histoire qui s'est passée dans les années 70. Une sale affaire. Tu sais, je suis pas un violent, mais ce type là, le Dr Green, je pourrais l'étrangler de mes mains. Hey, y a pas que toi, mec. Y a pas que toi. Ok. Je vous rappelle de cette mission, elle est pas très difficile. Faut juste patience, 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 patience. Pas perdre son calme et y aller à la tranquillou. Okay, comme on n'a pas de costume, on se fait vite, très vite même remarquer. Ok, je m'en prie leur trip là. Bon, là ça va être chaud. Est-ce que le garde peut sortir? Stop. Plus un geste, c'est compris. Ouh, ça va être chaud là. C'est moi qui vous le dis. Mais là, on va pas perdre de temps avec ça. Ok. Faut vraiment que je pénètre assez rapidement dans le lieu. Ok, nickel. Ah oui, ces cochons là, putain, mais ils sont chauds. Oh putain, prends le cadavre. Prends le cadavre. Ouf, prends le cadavre, il l'a pris. Mince. Je vais faire que des points de contrôle là les gars. Dans cet épisode, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais vraiment j'ai envie de jouer à la
à l'indiscrétion, tu vois. Regarde, avec un flingue, deux, c'est trop. Bon, super. C'est pas ce que je voulais faire. Mais on y est presque. On va trouver la solution. On va prendre du coup maintenant la corde de piano. On va faire des tests aussi, nous. Tu m'étonnes, tu travailles dans une boucherie. Oulala, je me suis fait repérer. C'est mort. Oh, mais c'est impossible ce niveau. Oh, il est impossible, franchement. Si j'y arrive, c'est que je suis un ouf. Ok, on va passer par là, on va tenter. Hein. Qui ne tente à rien n'a rien. Ouf, ouf. La chance que j'ai eue. Bon, en haut, il y a un peu plus de garde. Mais un peu plus de cachette aussi. Ok, on maîtrise. On prend le costume. On est bien plus... On est bien plus... Ok, bon, ça s'appelle caché. Bah écoute, pour moi ça me va. On n'est pas censé parler de ça, ok? Tout le monde est au courant. Non! Le docteur Green va trop loin. Il rend la base, il fait sa recherche. J'ai pas renoncé à mon poste de titulaire à l'université pour supporter ça. Alors attendez, soit vous me faites transférer en recherche et développement, soit je démissionne. Ah oui, d'accord, ouais, carrément. Il va partir maintenant. Ok, là je vais avoir un point de sauvegarde. Et là, tout va se jouer. Mince. Hey. Pardon, écoute. Bon, on va retenter. On perd rien dans tous les cas. Allez, c'est parti. On remonte là-haut. Nickel. C'est parfait. Non, j'ai le spectacle de mon gamin. T'es pour qui, toi? C'est un fou, ce type. C'est un fou. Ok. On va le poser là. Hop là, il n'y a rien de plus simple. Et là, on va se prendre désactiver la sécurité, c'est tout. Hop. Et là, on se casse. On reprend notre costume et on se casse.
Ok, nickel. On repasse par là. Putain, là j'ai fait un bon score. J'ai fait un bon score. Bon, je suis passé par là. Et après, c'est quoi? Ah oui, il y a la sortie juste là. La sortie est juste là. Et c'est cool. Là, elle est là, la sortie. Et on aura fini cette mission qui nous a coûté beaucoup de replay, on va dire. Ça, c'est vrai. Voilà. Bon, c'est pas fini. C'est pas fini, maintenant faut faire quoi? Trouver l'entrée du sas. Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode là. Et on se retrouve pour la suite assez rapidement. Maybach.